Bienvenue sur Minecraft pour l'épisode 10 de Crystal World. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre magnifique igloo pour continuer l'aventure. Continuer l'aventure tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir en quête de canne à sucre. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je sais pas où on va aller. Je pense qu'on va marcher tout droit dans une direction lointaine et aller vers un bord de la map. Il doit bien y avoir un moment où ça ne génère plus de la glace, peut-être. Je ne sais pas comment c'est foutu. Parce qu'on a tous les autres éléments. On va essayer. Enfin, je sais pas si on aura le temps de faire l'aller-retour, mais déjà, si on part en quête de canne à sucre, ça peut être pas mal. Je cherche juste du pain. Je l'ai mis où? Ah, bah, il est là. On va prendre masse de bouffe. Notre épée, on l'a. Ouais, non, on va pas se faire de... Non. Ouais, ça risque de péter, quand même. Bon, on va se prendre du fer. Ça, ça suffira. On va se prendre ça de fer, au cas où on en ait besoin en route. La bouffe, on a. Bon, on a de quoi se battre. On va quand même prendre des flèches. Voilà. Est-ce qu'on a de la laine? Absolument pas. On n'a pas masse de fil. J'aurais bien aimé faire passer la nuit. Ouais. Bon, tant pis, on va y aller comme ça. On va manger un coup. Non. On va y aller. J'aimerais... Si, je vais me refaire une épée quand même avant de partir. Puisqu'on est un peu en rade là, niveau épée. Hop. On entend notre portail dans le sous-sol. C'est assez mignon le coup du portail qui... C'est assez mignon, moi j'aime bien comme... Comme son. Le lapis, s'il te plaît, viens par là. Tac. Boum boum. D'accord. On est plutôt chanceux là dans le. Donc on va faire ça. Et pour celle-là. Ah, une petite sharpness. Voilà. Ça j'aime bien. Et puis le reste, on verra bien. Le reste, il n'y a pas besoin. On va poser ça. On remet ça ici. Ça, on va faire semblant de le ranger. On a des torches, c'est bon, hein, moi je dis on est paré là. On est prêt à partir. Et on va partir d'ailleurs, on va partir. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, let's go. Let's go, let's go, let's go. Attendez, alors par contre on va partir en... Le plus près, le bord le plus près c'est le full négatif. Hop. Du coup c'est par là-bas, je crois. Attendez, on va... Ouais, c'est par là-bas, ouais, c'est ça. On va essayer de franchir cette montagne, on l'a déjà fait une fois. On va recommencer, parce qu'on est des vrais. On est comme ça, nous. On est comme ça, on franchit des montagnes. Putain, c'est un peu la galère, quand même. Oh là là. Ah, c'est vraiment la merde. Plutôt la grimper comme ça, cette montagne. Bon, c'est pas trop loin, j'espère. J'espère que c'est pas en moins 5000 que ça va commencer à... À faire de la génération à peu près normale ou je sais pas quoi, parce que sinon ça va être un peu la merde. Donc je rappelle, on va chercher de la canne à sucre. Je sais même pas s'il y en a, hein. Ça se peut que ça va être un epic fail cette opération, mais bon, au moins on aura visité du pays, c'est cool, on aura fait un peu d'expédition. Alors il n'y a pas de mobs pour le moment, ils peuvent peut-être pas spawner sur les couches de neige, et non pas les counes de neige ou les counes de gège, parce que les counes de. Enfin, ça n'existe pas quoi, enfin, vous connaissez. Enfin, vous connaissez pas, d'ailleurs. Enfin, vous savez que ça... Oh, et puis, merde. Faites chier. Le mec, il s'énerve tout seul. Putain, on perd déjà de la bouffe, hein. Et tu déconnes pas, wesh. Tu vas pas me dire que t'as déjà faim, quand même. Wouhou! Putain, on aurait une luge, là. Alors là, par contre, ça va tout seul. Ça va tout seul. Squelette. On va récupérer des flèches sur lui. Il va tâter de notre knockback 1. Wow, on l'a raté. Voilà. Et il a rien looté, puisque c'est un squelette débile. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait, comme disent les vrais. Et là-bas, la map devient toute plate, on dirait. On est déjà au bout. Parce qu'il y avait juste ça à faire, ça va. Je m'attendais à une expédition de fou, et puis... aïe. Et puis en fait, ça va. YOLO! Aïe. YOLO! Aïe. Bon, bah, arrêtons. Si je meurs là, je suis dans la merde. Waouh. Là, il y a du terrain, là. Là, il y a du méchant terrain, là.
Faut dire les choses. Faut dire les choses. Là, le terrain est sympa. Et il y a masse bouffe. Ah oui! Mais suffisait de venir ici, en fait. Oh là là! Donne-moi la bouffe, car j'ai grave la dalle. Eh oui! Bah voilà, on l'a, notre plumard. Il nous fallait un lit, là, c'est bon, là. Toi! Arrête de couiner! Sale lapin! Oh oui! Oh oui! Ah, mes amis les lapins, tiens, vous, on va vous tuer aussi là-bas. YOLO! Boum! Merde, je t'ai raté. Voilà! Il y a peut-être des vraies mines du coup en dessous. Hey! Eh oui! Ah, ça peut être intéressant ça. D'aller creuser ici. Oh, du cochon! Putain, on s'est emmerdé à essayer d'emprisonner des poulets alors qu'ici c'était resto gratuit quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est beau ça. Oh là là, regardez-moi ça là-bas. Et je vois de la canne à sucre. Nickel. Ah, expédition réussie, moi je dis. Alors, mon épée m'a lâché. Ah, celle-là, elle pique un peu plus. Yeah. 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 Mu. Mu. Tanneur en devenir. Eh ouais, j'ai du cuir, les amis. J'ai du cuir. On cherchait un bouquin, on en a un. On en a un. Il suffisait de s'éloigner, en fait. On commence à voir, ouais, c'est bon là. On est bien. La canne à sucre. La canne à sucre. Ah oui. On va voir s'il y en a pas. Il y en a pas d'autres. Hop. Il doit y en avoir d'autres des cannes. Ouh! Des cannes à sucre. Ah, t'es mort. One shot. Ah, oh, one shot. Oh, il y a des œufs de partout aussi. C'est cool ça. Ça, c'est cool. J'adore quand le jeu il est comme ça. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce que tu croyais? Mais qu'est-ce que tu croyais, mon ami? Qu'est-ce que tu croyais? Oula, attendez. Besoin de manger un peu. Allez, mais oui, mais voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oh là 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 là! Alors là, tous les végétariens de la chaîne sont en train de se tirer des balles un peu partout dans le corps. Notamment au niveau de la tête. Parce que là, je suis en train de faire un truc pas cool. Je dis des choses, c'est vraiment pas cool. Mais elle est infinie cette map, c'est pas possible ça. Oh là là, il y a encore de la bouffe. C'est beau. Bon, après, on va faire demi-tour. On va faire les popos. On va faire les popos. Cool. Il va falloir du sable aussi. Tiens, on va ramasser ici. Puisqu'on est riche. Ah, si j'étais riche. Hop. Tac. Et il me manque un stick. Hop. Tac, 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 tac. Hop, c'est bon. On va mettre ça. Ah, mais j'en avais une en... Tant pis. J'en avais une. Alors, il faut juste retrouver du sable, tout simplement. Ça doit pas être bien loin, j'espère. Oh, de la lave! Ah, du charbon! Charbon to you. Et on n'est pas loin de la hauteur du diam, hein, ça fait plaisir aussi, ça. Ah, ici, il y a du sable. Ok. Ok. Histoire de se faire les popos dont on a besoin. Il n'y a que du sable en dessous? Ah non, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais à qui tu parles là? Tu parles au roi du sable là. Eh oui. À la reine des neiges? Non, au roi du sable. Eh oui, ensablé. Dans le sable. Je ne pourrai plus jamais sortir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Serais-tu fou? Serais-tu dingue? On s'en fout, on a masse sable. Oh putain, je croyais que c'était un creep. Mais pas du tout. On en a combien là? Ouais, 47, on est bon. Faites-moi une sortie. Faites-moi une sortie, bordel. Voilà. L'inventaire est full. Ça, on en a beaucoup trop. On s'en est même pas servi contre les Blaze. Ça ne sert à rien. Voilà. Wouhou! On va continuer de farmer ici en vrai. Hein. Un petit peu. On va prendre un peu de gravier. Bon, il y en a plein les grottes, mais pour le silex, pour les flèches. Parce que le dragon, il va pas se faire tout seul non plus. Eh oui, il y a le dragon à faire. N'oublie jamais ce dragon qui t'a élevé.
Qu'est-ce que je raconte? Oh, encore un silex. Là-bas, il y en a aussi. Allez, lève-toi. Lève-toi et marche, fils. Waouh, c'est la foire au gravier ici. On va ramener tout ce bordel chez nous. Et on va se mettre bien. C'est moi qui vous le dis. On a pas mal de silex, mais on le recreusera chez nous. Hein, c'est pas grave. Hop. Et on est bien là, on est bien, on est bien, moi je vous le dis. Cette map avance bien. Ça fait plaisir, d'habitude tu es toujours en galère, mais là. Là on est bien là. Hop là. Non. Bon allez, on va sortir de là. Hop. Non. Pas les boules de neige, on a dit. Hop. Ok. Ouais, bon. Est-ce qu'il reste de la canne à sucre quelque part? Je pense que oui, on n'est pas tombé sur le seul brin de canne à sucre de la map, il y en a là-bas. Normal. Oh, il y a du mouton aussi. Tenez, on va retaper un peu les moutons. Hop, on va manger un coup. Et on va foncer sur les moutons. Wow! Je suis juste curieux d'un truc. Attendez, d'abord on va prendre la canne à sucre. Je suis curieux sur un tout petit truc. Donc on va vérifier. Enfin, on va vérifier. Je sais pas si on va pouvoir le vérifier, mais on va essayer de le vérifier. Voilà. Voilà. Bon, ça suffira, hein. Ah, quoique pour des enchantes, ça peut être cool d'en avoir plus. Ça, il va nous en falloir. On a envie de plumes. Parce que là, des plumes, on en a 6. On va pas aller loin avec 6 plumes. 7. On va pas aller forcément beaucoup plus loin non plus. Oh là 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 là. Là-bas, il y a encore de la canne à sucre. Voilà. On veut des livres. Beaucoup de livres. Hop. Ah, ça peut être cool d'avoir beaucoup, beaucoup de livres, en fait. Parce que après le dragon, avec un gros bouquin, enfin, tous les levels qu'on aura, la sharpness 5, on peut la faire à ce moment-là, quoi. Après le dragon, moi, c'est mon objectif, hein. C'est pas de faire la... Le dragon avec une sharpness 5, c'est de le faire après le dragon. Après, bon, on aura une épée complètement pétée qui servira à rien, mais bon, voilà. Dans l'idée, c'est pas grave. Moussier! On a assez de bouffe là. Ouais, on a assez de bouffe. Pierre, je reviendrai farmer vaches et canne à sucre. Parce que canne à sucre. On pourra la pou faire pousser la canne à sucre, ça, c'est pas un souci. Ça, c'est pas du tout un souci. Bon, je veux juste vérifier quelque chose. Oula! Mais c'est que c'est dangereux par là. On va se calmer, attention. Attends, on a déjà plus de bouffe. 13 minutes d'épisode, alors je me dépêche pour faire ça, de toute façon on n'est pas bien haut. Je veux juste vérifier quelque chose. Est-ce que ce sont des grottes normales? Il y a beaucoup de dirt, ça c'est sûr. Hop. Bientôt la couche du diams, bro. Alors là, il y a du fer. Ça m'a l'air d'être, ouais, des mines normales. Hein, vu le filon de fer qu'on a ici. Ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Redstone. Charbon. Et non pas goudron, comme j'ai dit l'autre fois. Ça m'a perturbé après, j'ai repensé, j'étais mal, je me suis merde, j'appelais ça du goudron. Franchement, j'étais très mal, hein, ça m'a mis mal. Voilà. D'accord. Bon, on va pas tomber sur du diamant, mais voilà, vous avez l'idée quoi. C'est ce que je veux vérifier. Si on creuse par là-bas, on arrive au-dessus du vide normalement, c'est ça? De la lave. Ah oui. Lave, où es-tu? Parce que qui dit lave dit diamant. Enfin non, pas forcément, mais vous avez l'idée. Là, il y a de l'or, encore. J'ai plus de place. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer ça, par exemple? C'est de la laine, mais on en a de la laine. Oui, bon. On a de quoi faire un plumard.
D'accord, il a pas ramassé la chose que je voulais. On va virer le surplus de gravier là qui sert à rien. Faut pas déconner non plus. Un petit diamant, ça ferait plaisir. Allez! Pour moi! Diamonds to you! Diamonds to me! Diamonds to me too! Qu'est-ce qu'il dit? Toute façon, j'ai jamais eu de chance avec les diams, alors voilà, je voulais faire ça. En fait. Alors toi, tu vas sauter en fait, comme ça se passe. Ah là, le sneak, je le tiens d'une force. Voilà, je regarde juste vite fait où c'est qu'il y a du diamant. Et on n'en parle plus, hein. Si, il y a du diamant. Mouais. Bon. Non, c'est pas du diams. Bon. Y a une source de lave par là-bas. Mais ça doit pas être un truc de dingue. Ça doit pas être une dinguerie, on peut aller voir, mais. Je suis plus. Non, c'est bon. On va pas faire les cons. Pourquoi y a de la lumière là? On se calme la lumière. J'ai peur de la lumière, moi, dans Minecraft. Lumière égale lave. Toujours. Enfin, en général. La chance que j'ai, moi, c'est souvent ça. Elle est où la lave? S'il vous plaît. D'accord, les devants. Et ça m'a l'air ouais, d'être de la génération naturelle. Hein. Là-dessus, je n'ai plus beaucoup de doutes. D'accord. On s'est fait enfler. Bon, on s'en va. On s'en va. C'était une expérience enrichissante, voilà. C'était quelque chose de dingue. Moi, j'ai vraiment adoré. Je m'en remettrai, je pense, jamais. Après, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer de là? Il y a un truc qui est en train de nager dans l'eau, quelque part. Enfin, c'est dur de nager dans autre chose que de l'eau, mais bon. On va virer ça, hein, la diorite. Je m'en tamponne le coquillard. Avec une babouche! Très connu. Très connu. Trop connu comme expression. Ouais, ça me saoule tout. On reviendra au pire. Je ferai des fouilles, moi, ici. Vous avez vu, ça s'éclaire directement. C'est la redstone, ça. Fait flipper la redstone. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me balance de la lave par au-dessus. C'est relou. Alors, on repart chez nous. Chez nous, c'est moins 600, moins 60, je crois, à peu près. Et on y repart de nuit. Et sur une zone comme ça, de nuit, ça va être comique. Moi qui te le dis. Ça va qu'on a une sharpness. Alors, moins 600, moins 60, c'est par là-bas. Oh, il y a de la... Bah, attendez. On va ramasser ça sur la route. Et il y a du cuir. Et il y a du creep aussi. Pardon, monsieur. Oh, il y a des plumes. Bah, attendez, on va tout ramasser. Tant qu'on y est. On a des œufs aussi. Oh, putain, je tombe dans l'eau, moi. Contre le squelette. Eh ben, le mec il résiste à trois coups, tu sais. Aucun respect. Pourquoi je t'ai sauté dessus? Explique-moi. Non mais j'ai weakness, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je fais plus de dégâts? Toi tu peux donner du cuir, voilà. Ouais mais ton cuir il est nul en même temps. Est-ce que j'ai beaucoup de cuir de toi? Pas masse. Oh tant pis. Je fais des plumes surtout. Il y en a une là, voilà. Hop. Ok. 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 Bon. Et le cuir, on a dit, il n'y a plus de poules. Il n'y a plus de poules. J'ai combien d'œufs? 7. Ouah. Peut-être faire spawner quelque chose. Ce serait bien d'en avoir plusieurs dès le début. Comme ça, je les nourris rapidement et on est bien. De toute façon, là, on n'aura plus de problème de bouffe. Donc, le blé, on peut s'en servir pour la reproduction. Ça pourra aider quand même. Voilà. Le zombie, tu te barres. Nous, on rentre à la... Ouh! Parlons de potions. Parlons de potions, il y a du monde par là. Vous, les vaches! Vous, les vaches! Vous, les vaches! Qu'est-ce que tu cours, toi? Ne fuis pas! Putain, elle... Ouah! Ma souris! J'aime pas quand la sensibilité de ma souris pète un câble comme ça. C'est injouable. Merci. Et toi? Voilà. Bon, ça n'a servi à rien.
Faut dire les choses, c'est très nul ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a déjà plus de bouffe. Et pas au meilleur des endroits. Enfin, il y a un slime là-bas. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser ce slime tranquille. On rentre chez nous. Calmement. Ce squelette m'attire quand même, s'il peut me donner des flèches. Ah, des nonos, je dis pas non. On jette. Oh putain. Bon, bah, il y aura pas de nonos. Oh là là, la quantité de mobs. On en parle de la quantité de mobs? Bon, on sait où on viendra farmer les Enderman, ça c'est sûr. Tu te calmes. Une flèche. Putain, j'aimerais bien récupérer les os, mais bon, tant pis. On va se barrer dans la montagne à cheval. Putain, si j'avais un cheval, là, ce serait le génie. Ce serait le génie. On va grimper par là. Ils ont, ouais, ils auront peut-être du mal à nous suivre. On espère. Et on y va. C'est parti. Grimpette. Grimpette de la mort. C'est comme le champignon, vous savez, la trompette de la mort. Sauf qu'il est en hauteur, celui-là. On l'appelle la grimpette de la mort, du coup. Enfin bon, c'est une position sexuelle aussi. La grimpette de la mort. Bon, c'est bon. Pas le droit d'en parler, quoi, mais voilà, vous avez l'idée. Et c'est tiré du champignon, d'ailleurs. Enfin bon, bref, je passerai les détails. On est bientôt arrivé chez nous. On est bientôt arrivé chez nous. Ouais. Ouais. On va se faire les potions en deux spi. Et j'essaye de faire un épisode de moins de 30 minutes, du coup. Ça va être mon challenge. Faire les potions et finir l'épisode à moins de 30 minutes. Challenge accepted. Bon, on a récupéré la flèche. Pas le nonos, tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, on n'a plus forcément besoin de faire pousser des trucs en mode gros YOLO. Hein. Là, on est plutôt bien. On est plutôt bien, on est plutôt bien. Sauf en bouffe. Enfin, sauf en bouffe actuellement. Parce que alors là, je suis un foutu frigo sur pattes. Surtout qu'on est dans la glace. Alors, dans mon sac, il fait froid. Et alors, lui, il va m'emmerder, lui. Ah bah non, il n'y a pas eu le temps. Combien de flèches? 30. Ah mais j'en avais pris, j'en avais 25 je crois. Je sais plus combien j'en avais pris, mais j'en avais. Et logiquement, on habite de l'autre côté de cette montagne, si je me rappelle bien. Je peux ne pas me rappeler de ma maison, ça arrive ça. C'est là qu'on a inventé Google Maps en fait. Mais dans le jeu, ils l'ont pas incorporé encore Google Maps. Parce que Microsoft, Google, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors. Eh bah oui, regardez, on est bien. On arrive toujours par cet endroit-là en plus. On n'a pas recroisé notre ami le bonhomme de neige. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Il a dû disparaître. On aurait dû lui foutre un name tag. On aurait dû se giver un name tag. Un name tag, comme pour le poulet. Mais on n'y a pas pensé tout de suite. Et là, si je saute, je vais manger les décos de Noël. Et ça va piquer un peu les fesses. Hop! Et toi, le bateau, je t'avais garé. Pas ici. Oh putain. Eh, mais ce bateau est d'une dissidence extrême. Avance! Oh là 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 là. J'ai un épisode d'affaires de moins de 30 minutes là. Tu me saoules, bordel. Voilà. Et tu bouges plus maintenant. T'es garé là. Tu bouges plus. Allez. Ensuite, j'ai pas de source d'eau. On va aller dehors. Non, déjà, on va vider notre bordel. On va pas pouvoir. On va prendre ça. Pourquoi je ramène des blocs comme ça, moi? Ça va là. Hop. Fais-moi un coffre. Comme ceci. Et fais-moi un autre coffre. On a plus de bois. C'est la détresse. C'est pour ça que j'ai fait une hache en fer tout à l'heure. Je me suis permis. Je me suis dit, on a tellement plus de bois que ça va pas être du luxe. Je vais le poser là. On va poser tout ce bordel. Tac, 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 tac. J'en pose beaucoup trop, c'est pas grave. Je ne rangerai sûrement pas les coffres dans cette série. On va les laisser en bordel. Ça change, ça fait du bien. Il faut changer des fois. Il faut faire de la merde comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ça, on va le faire chauffer. On va en mettre. Oh putain, on a encore tout ça de faire. Un peu ici. Un peu ici. On a beaucoup trop de fer. On a beaucoup trop d'or aussi, on a beaucoup trop de tout, je crois. C'est. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je sais pas pourquoi je chante ça.
C'est assez perturbant. Bon, on va mettre ça. Il n'y a rien d'autre dans les autres cas, dans les autres fours. Oh, c'est triste. On a que ça. On a que ça de fer. J'ai que ça à faire. Ah ouais, deux sacs. Deux sacs. On a deux sacs de fer. Deux stacks à la con. Oh, c'est dur. Oh, la tristesse. Et en or, on a... Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac. 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 Allez, un petit... Voilà. Là, on est bon. J'ai pas balancé ça dans mes mines, quand même. Faut pas déconner. Hop. Tac. Ok. Ok. Ensuite, on met ça. Netherwort. Netherwort. Non. YOLO. On va planter des morceaux de canne à sucre qu'on a mis là. Au calme. Le reste, on va le planter. Va le planter là-bas. Il faut le planter au bord de l'eau. C'est mieux. Ça marche mieux en général. Ouais. Il paraît que ça marche mieux. Quoique, regardez, on va pas trop s'embêter. On va se faire ça. Regardez. Le mec, il fait des tranchées, mais dégueulasses. Bon, ça pue pour le moins de 30 minutes, je vous le dis tout de suite, c'est pas grave. On mettra de la neige ici, non? Ah bah attendez, ça va me perturber sinon. Je suis un peu maniaque, pas sur ces trucs-là. Ah, j'entends la poule qui est pas loin. Tu vas bien la poule? Tu t'amuses bien? Ouais, tu mens. Je suis sûr que tu te fais chier. C'est à cause de moi que t'es là. Eh ouais. Je sais que tu le sais que c'est à cause de moi que t'es là et que tu me fais la gueule, mais si tu veux, je t'avais dit que je t'aurais sauvé si j'avais pu. Et en fait, je suis pas. En fait, j'avais une gastro, tu vois, je mangeais trop de dinde. LOL! Oh, arrête, c'est bon, c'est amical. C'est très bien que je te ferai jamais de mal. Et je vais te reproduire, ma poule. Grâce à moi, t'auras les enfants que tu n'aurais jamais eu sans moi. Voilà, ça se voit pas. Bon, ça a fondu un peu. Oh, je replanterai, c'est pas grave. Et on va faire un truc un peu mignon, regardez. On va faire. Et ouais! Et ouais, mon gars! Comme ça! Il n'y a pas de marque de non-respect, il n'y a que de la canne à sucre. Tu la connais cette phrase? Même Jean-Claude Van Damme, il a pas. Jean-Claude Van Damme, mais qui sait pas parler. Jean-Claude Van Damme, il a jamais osé la dire cette phrase. Et parce qu'il savait, qu'un jour je serais là et. Wow. Tu te calmes. Il le savait, il le savait. C'était un visionnaire. 1 plus 1 égale 11. Voilà. Tout ça. J'avais déjà plus. Ah merde, si j'avais su. J'aurais pas autant massacré le décor. Je replanterais des trucs, hein. Ou pas. Enfin. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai plus de bouffe. Je l'ai posé dans les coffres. C'est génial. Alors ensuite, on va faire la potion de force. Tac. Tu me diras, j'aurais pu me faire 4 4 machins et j'étais tranquille. Tu es là. Voilà. Par contre, tu m'en rends un, s'il te plaît. Merci. Tac. La lenteur des potions. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? Ouais. Ce sera pour la cabane dans l'arbre, ça. Ok, on va reprendre un peu de bouffe. Ah non, le lol, ma bouffe. Nickel. Combien on a de flèches, du coup? Ah, j'avais tout pris, en fait. Ok. Ouais. Ah, c'est pas génial. Il va falloir farmer le gravier. Qu'est-ce que j'ai foutu? Malsaine potion. J'ai raté un truc. J'ai raté un truc. Bah pourtant non, je me suis pas trop trompé. Tendez voir. Tendez voir, tendez voir.
D'accord, alors j'ai apprenti chimie, sans que j'ai foiré des potions. J'ai raté un truc là. Ça, c'est des fioles d'eau. Les water machin, les water bottles. Si avec ça, je mets une netherworld. Mais attends, mais j'ai mis quoi dedans? Sachant que j'ai deux poudres de blaze ici. What? Bon. Normalement, une fois qu'on a. Enfin. Tu mets ta base powder une fois que t'as l'encore de potion là. Là, on va avoir une potion. Ah, mais en fait, j'ai juste rien mis dedans. Attendez voir. Le mec est perdu, quoi. Le mec est complètement perdu. Moi que ça fait des potions de force, s'il te plaît. Bah voilà, je suis pas fou. Bon. Du coup, on remet les malsaines et on met du sucre, logiquement. Ça fait les potions de rapidité. Logiquement. Hein. Has bottle 0 trou, has bottle 1 trou, has bottle 2 trou. Eh oui. Eh oui, moi je mets des potions dans les trucs quand même. Bon, moins de 30 minutes, c'est officiellement mort, hein, depuis un petit moment d'ailleurs. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bah voilà! On est bien. On met ça avec. Bon, on va prendre les deux dernières qu'il nous faut. Tac. Voilà. On a besoin de faire. Potion de heal. On va prendre toi. Et on va prendre toi. Hop. On va faire ça. Ah, je savais pas. Oh, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, non, j'ai ça à faire avant. Voilà. Tac. Et tac. Toi, tu as terminé. Ah putain, je voyais pas la dernière bouteille, j'ai eu un coup de flip là. Du coup, on va mettre cette petite chose ici. C'était Regen ou Healing? C'était Healing, donc c'est ça. Je les allongerai et tout pour le dragon au pire. Hein. Bon, même si normalement il n'y a pas besoin de potion de heal pour le dragon. Parce que bon, il te fait tomber ou il te fait pas tomber, quoi. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. La dernière, c'est le poison. Et donc c'est un œil d'araignée, je crois bien. Ouais, c'est ça normalement. Hop. Et œil d'araignée, on en a ici. Génial. Reposer ça. Pastèque, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux? Tant pis, tant pis. J'irai essayer de trouver des pommes en or, je sais pas où. Mais on n'a pas besoin de heal de toute façon. On a besoin de stuff, hein, pour le dragon. C'est pas non plus. Voilà quoi. Ok, et tu mets l'œil de dragon. L'œil de dragon, bien sûr, l'œil d'araignée. Normalement, on valide l'objectif. Oui. VVV. J'aime bien ces décos de Noël, moi. Franchement, je trouve ça so swag. Eh bah oui, je tombe dans le trou, normal. Et potion de poison. Donc on récapitule poison, soin, force et rapidité. On les a toutes. C'est génial. Rapidité, ça peut être cool dans l'end. Pour taper du dragon. Donc voilà, l'objectif des potions est réalisé et ça fait plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt, très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à la partager ou à la liker. On se retrouve. À chaque fois, je le dis deux fois en ce moment dans les vidéos. C'est ouf. On se retrouve très bientôt. J'ai tellement envie de vous retrouver que je le dis plusieurs fois. Enfin, bon. Voilà, bah, du coup, ça m'a embrouillé. Donc on va se dire à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.